الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quel âge Khadija radiallahu anha tienna quand elle était mariée avec prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et en réalité, frères et sœurs en islam, nous peinons aucun hadith authentique à ce sujet. Et ça qui est là, c'est dans un livre, l'histoire. Il y a deux versions. Version qui est très populaire, c'est que Khadija radiallahu anha, au moment qu'il était épouse Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il y en a 40 ans. Mais il y en a une autre version aussi dans l'histoire et qui dit que Khadija radiallahu anha tient 28 ans. Ça veut dire qu'il n'y a rien de définitif. Mais ce qui est plus commun, veut dire dans ma livre d'histoire, c'est que l'Ithienne a 40 ans. Ça veut dire que ça, c'est une plus grande probabilité. Mais nous ne pas capable de trancher exactement à ce sujet. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous fait Al-Fi'a Umrah, ben est-ce que si nous ne rentrons l'Arabie la journée, à soi, nous gagnons droit à l'accomplir Umrah? Ne pas supposer comment rentrer à accomplir Umrah avant? Jazakallah khairan, toujours pour réponse de la part de nos soeurs Sahara Bibi. Il n'y a aucune condition que quand on rentre dans Makkah, on a besoin de faire Umrah tout de suite. Mais ça, c'est le principe. C'est que du moment qu'on arrive à Makkah, on rentre direct pour faire Umrah. Mais nous connaissons une bonne circonstance. Parfois arriver trajet, parfois arriver fatigue, parfois arriver une bonne raison, qu'on peut faire retard pour gagner l'hôtel, etc. Alors si du monde, il y en a une raison valable. Fatigue ou bien une démarche qu'il est besoin de faire, etc. Alors, il est capable de retarder sur Umrah pour un autre lieu. Par exemple, s'il est arrivé faux tard dans la nuit et il a un extra sommeil, alors il est capable de faire un petit sommeil, quelques heures, et ensuite il fait sur Umrah et dans cet état-là, il est plus fit. Ou bien, s'il est arrivé dans un lieu qui fait très très chaud, quand il n'est pas encore habitué avec sa chaleur-là, il est capable de retarder sur Umrah. Mais le principe, c'est que l'idéal, comment on arrive à Makkah, on fait Umrah. Mais il n'y a de haram dans retard Umrah, Inch'Allah. Question suivante. Mon envie seulement demander concernant Beit Lipi direction Qibla, de la part de nos sœurs Naushin Domen. Et concernant Beit Lipi direction Qibla, il n'y a pas de hadith ou bien verset Coran qui n'empêche ça. Mais nous connaissons que les pieds, dans certaines cultures, c'est une chose dégradant. Dans certaines cultures, quand on peut prendre les pieds, on met direction du monde, comme on dit, on peut offenser les. Alors donc, il dépend de l'intention du monde. Si un du monde, et sur les pieds, peut faire mal, par exemple, il peut assise dans le masjid, les pieds dressent sur les pieds, et les pieds dans les autres places, ou bien sur la chambre, les très serrés, alors il y a seulement une position pour mettre sur les lits. Et malheureusement, dans sa lila, il pied pour la direction Qibla, ou bien il donne l'hôtel, alors il est dans la direction Qibla, puis il n'y a aucun mal là-dedans. Parce que l'intention qui comptait, innamal amal ou biniyat, l'intention, les bases, ou action, les bases, là où l'intention. Mais si un dimon, mettre sur les pieds, veut dire direction Qibla, et avec l'intention que ça, c'est une façon pour dénigrer sa Qibla là, ça c'est un kufr, ça c'est un acte de mécréance. Mais nous connaissons qu'un musulman n'est pas fait à ça par exprès. Alors donc, peine aucun mal si l'intention, peine aucune mauvaise intention derrière là. Question suivante. Salam alaikum, aux questions. C'est qui fait quand ban iskolas dans l'islam, il commence document ban hadith, zotin dit besoin mentionne hadith là faible, et qui est une chaîne faible, etc. Est-ce qu'il partit meilleur pour omettre sa ban hadith faible là? Jazakallah khairan de la part de nos frères Zahid Gokul. Et ban compilater hadith, je tenais une responsabilité. Je n'étais pas capable d'imposer l'opinion, l'eau veut dire l'eau ban dimon qui pouvait après je. Parce que souvent, et ban compilater hadith, il y a deux types de compilation en général. Un compilateur qui lit les filmites en condition que l'époux compile seulement hadith authentique de ce livre. À titre d'exemple, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Alors, je fais une mettre comme condition à la base, même quand je peux compiler les hadiths, qui je dis, je peux rassembler tout seulement ban hadith qui est authentique. Alors que la majorité ban ulama, ban compilateur hadith, ban muhadithin, je fais une compile tout ban hadith. Peu importe, les authentiques, les pas authentiques, seulement comme une forme de référence. Ça, c'est première raison. Deuxièmement,
c'est que veut dire l'authenticité hadith ou bien considérer un hadith fait parfois les relatifs. Un savant n'est capable de trouver un hadith qui est authentique, alors qu'en réalité, le hadith n'est capable pas authentique, parce qu'il est capable de rater quelque chose qu'il n'est pas fin de comprendre. Ou bien l'inverse. Un hadith, il est capable de considérer les faibles, mais en réalité, il est capable authentique par rapport à ben, les autres chaînes narrateurs qui est là par rapport à ce hadith. Alors, pour cette raison que, si un savant, si un muhaddithin, l'étit seulement trier ben hadith, l'y met seulement, l'y compile seulement ben hadith qui est authentique d'après lui, et l'y rejette tout ben les autres hadith, nous nous trouvons avec une situation où nous prenons moins de hadith. Parce que beaucoup ben hadith qui, certains ben ulama font authentique, alors qu'en réalité, il n'est pas authentique, et l'inverse aussi, il y en a beaucoup ben hadith qui ben ulama font trop faible, mais qui en réalité, après ben recherche, nous font trouver qu'il est authentique. Ça veut dire, je fin compile ça comme un amanat. Je travaille ces compilations et pour filtre, pour vérifier hadith, ça c'est un autre domaine. Nous avons compilation hadith, nous avons vérification hadith. Ça c'est deux choses différentes. Alors compilateur hadith, il compile tout ça qu'il est fin de gagner. Et vérificateur hadith, ça c'est un autre domaine. Ça, je veux dire, donne ban jugement, l'eau ban hadith là. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si dans l'islam, gagne droit fait implantation les dents. Et implantation les dents, tout d'abord, nous besoin d'être sur l'aspect médical. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est recommandé? Ça, on besoin d'être un médecin spécialisé. Dans certaines circonstances, ou capable de faire un choix. Par exemple, on fait accident, on perd tous les dents. Ou bien, dans certaines circonstances, il est capable de pas recommander, parce que où les os, il n'est pas dense pour capable de mettre, implanter ben les dents. Et etc. Et ça, vous avez dit au médecin traitant ou bien les spécialistes qu'il est capable de dire oh, dans aucun cas spécifiquement. Ça, c'est premier. Dans certains cas, pour certains démons, il est capable, ok. Dans certains cas, pour certains démons, il est capable pas correct. Alors, si le médecin dit oh, dans aucun cas, il n'est pas correct, ça veut dire l'islam pour dire oh, pas fait. Parce que l'islam montre nous qu'il nous pas cause nous-mêmes dit tout. Si le médecin dit oh, non, dans aucun cas, il n'est pas praticable pour. Si vous pouvez faire ça, vous n'avez pas de problème. Alors, l'islam qui se positionne là pour, et spécifiquement, c'est que, il n'est pas correct pour faire ça parce qu'il est pour cause dit tout. Mais, en lui-même, si un du monde, docteur finit dire oui, ok, puis aucun problème, il va implanter un les dents, ou bien deux les dents, ou bien plusieurs. Alors, donc, si docteur finit donne ce clearance, alors l'islam en lui-même, puis n'a aucune place qui n'empêche, veut dire, mettre, ben, implante, ben les dents. Puis n'a aucune restriction là, Inch'Allah. Et par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.